Et puis je vous remercie tous d'être venus écouter nos invités, Jean-Michel Beignet, nos invités Pascal Ludwig et Jean-Claude Monod évidemment, qui seront aux côtés de Jean-Michel Beignet et puis Jean-Philippe Domecq pour évoquer Bouveresse, cette conscience au milieu d'une époque et d'un contexte littéraire. Voilà. Est-ce que j'ai bien présenté, faute de lancer le débat ? Eh bien, on va le lancer. Je vous remercie. Dans la foulée. Dans la foulée, merci infiniment. Oui, nous l'avons intitulé Jacques Bouveresse, conscience critique dans le contexte intellectuel français. Ou bien de l'honorer notre président. Pourquoi cette. Son décès, le 9 mai 2021, nous a choqués, d'abord parce que c'est la perte d'un grand penseur, perte prématurée. Ce qui est significatif, c'est que, aussitôt après sa mort, il y a eu une grande émotion, elle était justifiée par son travail, par le rayonnement de sa personnalité, mais en même temps, une sorte de retournement d'opinion de la part de commentateur qui l'avait tenu non pas en marge, parce que son travail est considérable, mais enfin, ils auraient mieux aimé l'entendre moins. Et il y a eu comme un regret qui s'est exprimé, y compris de la part de certains médias prescripteurs, faisant valoir que son attitude critique avait fait qu'il avait été effectivement un petit peu mis sous le boisseau à certains égards. Mais justement, c'est ce qu'il y a de fort en contre-chose. Et qui fait que on propose de diviser notre, non pas de diviser, mais d'instaurer notre discussion ce soir autour d'une formule que je vous soumets, c'est haute tenue, Jacques Bouveresse, de point, haute tenue critique et teneur philosophique. Tenue, teneur, on joue sur ces deux mots. Et cela explique la présence de nos deux invités, qui sont tous les deux parfaitement à même en tant que philosophe. Et de par leurs travaux, de faire valoir certains noyaux durs de son œuvre philosophique et également de dégager son profil. Et Jean-Michel Beignet et moi, nous sommes un peu répartis les tâches et nous ne sommes pas répartis les invités tout de même. Nous remercions ces deux invités d'être venus, Pascal Ludwig, qui fera la démonstration de la position de Bouveresse à l'égard de la philosophie du langage, philosophie des sciences, et qui examinera cette teneur philosophique plus particulièrement. Et puis Jean-Claude Monod qui, précisément, à la suite de l'effet qu'a produit cette disparition momentanée, puisque on continue à le lire de plus en plus, a tenu à publier un essai un an après, en mai 2022. La raison et la colère, publié aux éditions du Seuil, avec un sous-titre éloquent, un hommage philosophico-politique à Jacques Bouveresse. Pourquoi est-ce que je dis éloquent ? Parce que dans philosophico-politique, il y a évidemment la philosophie, mais par le mot politique, j'aimerais déjà être assez précis et circonscrire le propos. Il ne s'agit pas de revenir sur certains engagements, même si évidemment Bouveresse n'était pas contre, mais c'était un engagement critique dans son cas. Mais surtout, ce qui moi m'a frappé, c'est sa position sur le plan de la politique culturelle, au sens où la philosophie s'exerce en France dans des conditions qui sont devenues particulièrement difficiles à partir de la moitié des années 70. Et pour faire une confidence, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué chez Bouveresse, chez Jacques Bouveresse, je lui dois beaucoup, au sens où il fut un de ceux qui ont réagi très vite à l'apparition des nouveaux philosophes qui
qui ne sont ni nouveaux ni philosophes, en 77, et ce fut une véritable catastrophe, parce que la force médiatique est telle dans cette société du spectacle qui avait été bien annoncée, que ça porte préjudice à l'expansion et la diffusion de certaines philosophies qui sont beaucoup plus probantes, beaucoup plus intéressantes et auxquelles les gens accepteraient tout à fait quand on propose d'excellentes choses. Il y a eu cette attitude critique. Il y a eu aussi, je me souviens, ce numéro de la revue critique, on en parlait, la revue critique en 75, un numéro sur Vienne, fin de siècle. Je crois que ça, c'est des années d'étudiants. Et il avait fait, Jacques Ouvrez avait fait deux textes importants dans cette revue. Sur Karl Krauss, on va en parler évidemment à propos de la philosophie du langage. Karl Krauss est quand même le premier grand critique au début du XXe siècle, le premier grand critique de la logique médiatique et de son emprise, avec une causticité et un engagement à la fois de la pensée et du style qui est très important pour Bouvresse. Et Bouvresse a considérablement contribué à faire connaître l'œuvre de Karl Krauss, ainsi que, évidemment, là, cette forme du noyau philosophique, l'œuvre de Wittgenstein, dont il a si bien parlé et il a si bien contribué à connaître son... Alors, on va essayer de ne pas faire le grand un, l'un, le grand deux, l'autre. On va dialoguer, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc, je voulais très rapidement situer... à présenter Jean-Claude Monod avec une forme de question. Pour vous présenter Jean-Claude Monod, vous direz s'il vous convient ce pointillé de sa thèse que l'on peut remarquer en ce ouvrage paru ce jour, et que j'aurais du moins de la manière suivante, le souci de la liberté de point de vue, liberté critique bien entendu. L'un de vos premiers ouvrages marquants, qui est paru en 1997 et qui est repris en 2017, est consacré à Foucault et s'intitule « La police des conduites ». Chez Chalon, c'est assez significatif. Je cite d'autres titres qui sont, à mon avis, emblématiques de ce que j'essaye de synthétiser rapidement pour vous présenter. « Penser l'ennemi, affronter l'exception, réflexion critique sur l'actualité de Carl Schmitt. L'art de ne pas être trop gouverné », ça c'est l'un de vos derniers ouvrages. Et le dernier, évidemment, c'est celui-ci. Alors, vous direz si cela convient à peu près à votre approche. Vous pouvez en compter au moins, mais nous aurons l'occasion. Et je laisse à Jean-Michel Bélier le soin de présenter Pascal Ludwig, que je remercie particulièrement d'être venu également. Oui, bonsoir. Oui, moi, je voudrais dire aussi quelques mots, parce que bon, Jean-Philippe et moi, co-organisons cette table ronde, mais nous ne sommes pas nécessairement d'accord sur le fond, sur un certain nombre de choses, donc autant le dire. Moi, je voudrais peut-être dire quelques mots pour essayer de justifier que l'on puisse présenter Jacques Bouvresse aujourd'hui à un public de non-philosophes. Bouvresse, effectivement, me paraît être particulièrement attractif pour le public d'aujourd'hui, pour, je dirais, quatre raisons. Je dirais d'abord, de manière générale, générique, Bouvresse, c'est quelqu'un qui s'est situé très très vite du côté des vaincus. Il avait cette formule qui vient de Benjamin. Vous savez, bon, l'histoire jusqu'à présent ne s'est écrite que du point de vue des vainqueurs. Il faut désormais, après la Seconde Guerre mondiale, tâcher de l'écrire du point de vue des vaincus. Eh bien, il y a quelque chose de ça chez Bouvresse. Hein, et l'expression « faire de la philosophie du point de vue des vaincus », on la trouve formulée chez lui. Alors, je disais quatre raisons. Oui, je dirais d'abord que Bouvresse, c'est, et Pascal commentera, développera, objectera des choses là-dessus, c'est quelqu'un qui est attaché à l'ordinaire. Mais vraiment, à l'ordinaire, d'abord parce que
il objecte volontiers le sens commun ou non-sens des philosophes. Donc, il est, parce que Wittgenstein l'a conduit aussi sur cette voie, très très soucieux de défendre le sens commun. Et ça le rend très, très intéressant à mes yeux. D'autant que ce sens commun n'est pas celui de Kant, c'est pas le sensus communis, c'est le sens commun au sens très trivial du terme. Hein. J'aime bien, par exemple, rappeler que Bouveresse, pour incarner ce sens commun, invoquait volontiers sa naissance, milieu rural, où vraiment on était au plus près des choses. Et il invoquait aussi assez volontiers son goût pour le bricolage. La technique, pour lui, passait par ce bricolage, réparer des choses irréparables, enfin faire des trucs avec ses mains, voilà. Bon, c'est ça, Bouveresse aussi, l'ordinaire. La deuxième chose qui peut justifier qu'on s'intéresse à Bouveresse, même si on n'est pas dans la communauté philosophique, ou surtout si on n'est pas dans la communauté philosophique, c'est son rapport à la langue. Il détestait les philosophes qui mettent trop de soin à bien écrire et qui imaginent que parce qu'ils écrivent bien, ils pensent profond. Ben non. Donc lui a endossé la position contraire. Et son souci de la clarification, son souci de la précision qui hérite également de Wittgenstein, il a voulu le mettre en œuvre dans son écriture elle-même. Et je ne sais pas, ceux qui le connaissent bien pourraient le dire, s'il s'est fait violence pour mal écrire, je ne crois pas, parce qu'il n'écrivait pas mal, mais il n'écrivait pas bien, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de fioriture dans son écriture, il n'y a pas la recherche de la formule qui fait choc. Troisième raison peut-être de s'intéresser aussi à Bouveresse, bah, c'est son refus de l'imposture médiatique. Ça le rend, je dirais, urgent aussi aujourd'hui. L'imposture médiatique, Jean-Philippe l'évoquait à propos des nouveaux philosophes, oui, ça a sans doute pris son point de départ pour Bouveresse à cette époque-là, dans les années 1975, disons, etc. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain des nouveaux philosophes parce que ça me conduirait trop loin et c'est peut-être là-dessus que je ne serais pas d'accord avec Jean-Philippe. Et puis la dernière chose qui est importante aussi aujourd'hui, particulièrement, c'est le souci constant qu'a Bouveresse de la vérité. La vérité. Mais la vérité aussi au sens presque trivial du terme. De la même manière qu'on parlera peut-être de son réalisme scientifique, on peut parler de ce souci de la vérité toute bête. Hein, et dans un contexte où on sombre, on glisse vers la post-vérité, c'est important. Il y a tout un débat de Bouveresse avec Rorty sur cette question-là. Rorty disant bon, la vérité, on n'en a plus besoin, on peut remplacer ça par le consensus, par la solidarité, etc. Bouveresse, la vérité, bon, c'est absolument capital quand on pratique la philosophie. Et on va pas, si on lâche la vérité, on lâche le sens commun, on lâche le petit, on lâche l'ordinaire, hein, et on retombe dans les travers dont il fallait s'arracher. Donc voilà, bon, je dirais d'autres choses tout à l'heure sans doute, hein, et peut-être la dernière chose un peu provocatrice que je dirais, c'est que ce qui me plaît chez Bouveresse, c'est son goût pour Nietzsche et son goût pour Wittgenstein à égalité. Parce qu'il l'a dit et répété, hein, Wittgenstein.
Einstein et Nietzsche ont en commun ce refus des transcendances qui me paraissait tellement important de mettre en avant. Donc, voilà. Alors, Pascal, ben, Pascal, il va tout à l'heure sans doute dire des choses qui vont aller davantage que les miennes, à l'essentiel, parce qu'il a une approche aussi qui est technique de la philosophie de Bourès. Bourès était un philosophe exigeant, tant sur le plan du langage que de l'épistémologie. Il y a une haute tenue, une teneur aussi importante. Donc voilà. Alors, peut-être merci. Merci à partir de cette double présentation. Merci pour votre invitation. Alors, moi je me suis trouvé dans une situation un peu particulière vis-à-vis de Jacques Bouffres, parce que donc, je l'avais lu en terminale, en bocal, etc. Mais en un sens, au départ, moi je m'intéressais plutôt à des penseurs à l'égard desquels Bouffres était assez critique, parfois assez radicalement critique, disons, de la constellation de la. Les French Theory aux États-Unis, qui comprend Deleuze, Foucault, Derrida, etc. Et comme beaucoup de gens qui commencent en philosophie, moi c'est plutôt les auteurs qui m'avaient fasciné. Et ensuite il se trouve que, par un hasard biographique, je trouve que la mère de mes enfants est la nièce de Jacques Bouffres, donc j'étais amené à. qui était très proche de. Et en un sens, a évolué dans ma propre perception de la philosophie, des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de la philosophie, de ce qui nous séduit éventuellement au premier abord dans la philosophie, qui n'est peut-être pas forcément ce qu'il faut retenir, peut-être parfois c'est ce qu'il faut aussi surmonter. Peut-être c'est des choses qui nous séduisent dans la philosophie et qui ne sont pas forcément les choses les plus profondes que fasciné par la force littéraire, de la force d'écriture de philosophe. Et puis, je pense aussi, une fois que la philosophie devient plus une pratique, presque une pratique professionnelle, pour moi c'est devenu aussi mon cas, on s'aperçoit que bon, il y a des choses qui, voilà, qui relèvent plutôt de coups de force rhétorique, qui relèvent éventuellement de bluffs rhétoriques. Et quand on se met à choses patiemment, à déplier les problèmes, à privilégier une voie plus argumentative, qui est celle que, pour laquelle Jacques Bouffres a toujours plaidé. Bon, voilà, on prend quelques distances, éventuellement, avec des auteurs qui nous ont initialement fascinés. Mais pour vous dire, moi, c'est une chose amusante, donc, quand sa nièce lui a parlé de moi pour la première fois, j'étais en train de faire une maîtrise, un DEA à l'époque, sur Nietzsche, Heidegger, Foucault. Et donc, Bouffres avait dit oui, oui, oui. La réaction, c'était oui, oui, oui. Donc au départ, vous voyez, ce n'était pas forcément acquis. Mais en fait, c'est très bien entendu parce que c'est quelqu'un bon, qui avait un grand goût pour effectivement la conversation et la discussion réelle. C'est-à-dire, et c'est quelque chose qu'il déplore beaucoup dans la philosophie française. C'est le fait que la philosophie française est parfois presque allergique à la critique et à la discussion. C'est-à-dire, les objections que pouvait adresser à tel ou tel auteur étaient vues comme, étaient traitées par ces auteurs comme une sorte de crime de lèse-majesté. C'est-à-dire, c'est comme si il fallait accepter en bloc une pensée, et si on commence à discuter, non, alors là, on porte atteinte au créateur. Il y avait cette vision qui l'exaspérait, passablement, il faut bien dire, que Deleuze avait défendu des philosophes comme étant essentiellement des créateurs de concepts. Et donc,
les gens qui ont le mauvais goût de tout discuter, d'argumenter, tout ça, ne sont pas à la hauteur des créateurs. Ce sont des acteurs. Et ça, ça l'exaspérait particulièrement. Un peu en raison du fait que vous avez rappelé, qui était cet attachement, attachement à l'ordinaire, au sens aussi, attachement voilà, aux capacités de chacun de discuter, d'argumenter, et au fait que la philosophie ne relevait pas d'une espèce de supra-intellect, de génialité, etc., mais devait se plier aux normes de la discussion rationnelle, pas forcément scientifique. Il y a la question du statut de la philosophie, qui est une question complexe, et qui est justement beaucoup problématisée, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas régler sur le mode scientifique en philosophie, il ne s'agit pas de dire que la philosophie doit absolument se calquer sur des procédures scientifiques, mais en tout cas, elle doit quand même essayer de privilégier des formes d'argumentation, de discussion rationnelle, plutôt que de monter sur ces grands chevaux rhétoriques, parce que à chaque fois qu'il y avait des mises en cause un peu, bon, c'est vrai, un peu sarcastique, c'est parfois un peu ironique, puisqu'il y a cette autre source très importante, je pense, pour Weiss, qui est la source autrichienne, la source viennoise, et ce sont des auteurs qui sont assez largement ironiques, qui pratiquent parfois le canular même, et il aimait bien d'ailleurs même le canular de ce Calébriquement, hein, sur qui avait proposé, comme vous savez, une revue littéraire, un article totalement farfelu qui mêlait des constructions et physique quantique, et alors, surprise ou non surprise, l'article a été accepté par une revue comme étant tout à fait, alors qu'il disait vraiment n'importe quoi. Et donc il y avait l'idée voilà, de soumettre un petit peu le monde intellectuel aussi à des épreuves, à des discussions, et à ne pas accepter, éventuellement aussi à ne pas accepter le canon en vigueur. Alors si on prend au milieu des années 70 typiquement, Deleuze, je prends Deleuze parce que c'était un peu un des emblèmes, hein. D'ailleurs c'est quelqu'un dont vous presque pouvez admirer un certain talent, hein. À chaque fois, pour toutes les personnes dont je parle, en fait, il y avait des nuances, oui, parce que c'est quelqu'un qui pouvait tout à fait nuancer ses propos, mais il y avait des aspects qui l'espéraient, et notamment, donc, Deleuze dit très bien, colonne de Royaumont, je crois, sur Nietzsche, voilà, la Trinité, Nietzsche, Marx, Freud, à quoi s'ajoutait souvent Heidegger, et donc, Bouvresse, lui, il a été cherché, comme il disait, il faut chercher à créer son propre oxygène, et donc son propre champ de référence. Et donc il allait systématiquement lire, par exemple, il était élève à l'école normale supérieure, il avait le CERF d'épistémologie, etc., il y avait le Althusser, et il allait systématiquement lire ce dont Althusser disait que ça n'avait aucun intérêt, que c'était nul, que c'était même pas la peine, qu'on aurait fait une heure de peine. Donc il allait lire Karl Popper, il allait lire des gens comme ça, qui étaient à la fois libéral et relevant du rationalisme critique, donc c'était avant tout ce que Althusser n'aimait pas, mais il s'apercevait que c'était très intéressant. Après, on peut ne pas être d'accord avec ses thèses, mais il fallait lire Popper, il fallait lire, bien sûr, Wittgenstein, qui n'était quasiment pas lu à l'époque, des gens comme Boltzmann, Helmholtz, etc., donc des gens voilà, qui étaient tout à fait, ou Karl Kraus, ou lire aussi, alors c'est peut-être intéressant pour aussi ici, pour ce lieu, lire des écrivains, voilà, parce qu'il y avait des écrivains vénérés dans la période, je ne sais pas, Armée ou Proust, etc., donc, Proust, mais il allait aussi voilà, lire Musil et prendre au sérieux la pensée de Musil. Musil est pour lui un des grands penseurs du XXe siècle. Pensée qui peut passer par l'essai. L'essai est une forme propre qui peut passer aussi par le roman, bien sûr. Et donc il y a un livre de Bouvresse qui est intéressant sur ce thème qui s'appelle La connaissance de l'écrivain, où il se demande voilà, quelle est au fond la forme de connaissance peut-être que fournit la littérature. Mais je pense qu'il y avait toujours le souci de reconnaître, par exemple, que la littérature peut nous éclairer, évidemment, peut vraiment même changer notre vision des choses, que la littérature a un apport cognitif, a un apport aussi éventuellement de transformation des normes éthiques, des normes politiques, et tout cet intérêt pour la façon dont des écrivains changent notre perception morale. Force morale de la littérature, mais plutôt à travers la présentation de problèmes de vie, au sens de Wittgenstein, c'est-à-dire de montrer la complexité d'un problème de vie plutôt que des grands impératifs généraux. Mais il y avait aussi le souci de ne pas abuser
Ça, finalement, je trouve un aspect un peu pascalien, c'est-à-dire de respecter les ordres, c'est-à-dire de ne pas, par exemple, vouloir jouer du prestige de la science d'une manière très désinvolte, en fait, et abusive, comme c'est son petit livre « Prodige des vertiges de l'analogie », où il fustige un certain usage de la science à des fins, en fait, d'impressionner le public. On va se référer au théorème de Gödel, etc., sur un mode, en fait, qui ne tient pas du tout la route, mais qui impressionne. Et donc, il y avait ce souci de voir ce que la littérature, la poésie, etc., peuvent apporter, mais d'éviter, dans ce livre, ce qu'il appelle, par exemple, le littérarisme, qui est une sorte de... Il y a le scientisme qui consiste à utiliser la science comme une norme absolue, mais il y a ce qu'il appelle le littérarisme, c'est-à-dire une sorte d'usage littéraire de la science, au mauvais sens du terme, mais une sorte d'usage très relâché, aux fins de rehausser son propos, et sans un travail sérieux, en fait, sur la source scientifique elle-même, dont on pourrait donner... Je finis pour ne pas être trop long. Effectivement, je pense à un autre point qui m'est apparu très important et qui était un peu obsessionnel, c'était effectivement le fait que la critique, l'activité critique, la fonction critique n'était pas assumée sérieusement en France, c'est une question du paysage intellectuel peut-être, c'est-à-dire qu'on aurait été en droit d'attendre des grands médias prescripteurs de gauche, disons, mettons, comme Le Monde ou l'Obs, qui fasse ce travail de manière assez, voilà, de manière en tout cas à donner une idée de ce qui paraît de manière relativement objective, d'essayer de présenter des auteurs variés, de donner à lire aussi des auteurs un peu difficiles. Et Bouvresse estimait que pendant certaines décennies, je pense que Philippe Domecq a rejoint ce diagnostic sur le monde des livres, par exemple, pendant une période, ça n'était pas du tout le cas. Ça n'était pas du tout le cas parce que le milieu intellectuel, pour Bouvresse, et alors il n'idéalisait pas du tout le monde intellectuel, donc il y respectait bien sûr, il venait d'un milieu paysan, etc. Pour lui, ça avait été un accomplissement au Collège de France, etc. Mais c'était en même temps un monde qui lui paraissait très auto-complaisant, régi par des renvois d'ascenseurs, une forme de corruption. En fait, il y avait une vraie forme de corruption des esprits. Corruption des esprits, et ça, c'est vrai que c'est chez Karl Kraus, qui a beaucoup contribué à faire connaître, à faire traduire, etc., qu'il en trouvait la dénonciation précoce, parce que, voilà, Kraus avait vraiment analysé les méfaits du journalisme culturel quand il est mal pratiqué et quand il est, en un sens, corrompu. Et donc, alors évidemment, ça l'a mis en porte-à-faux, enfin, c'est pas en porte-à-faux, mais ça fait que il y a eu des articles assez hallucinants quand on les relit dans Le Monde à propos de Jacques Bouvresse. Je ne vais pas m'attarder sur les personnes qui les ont commis, mais qui d'ailleurs, effectivement, retournent leur veste. Alors il y a ceux qui retournent leur veste, effectivement, et puis il y a ceux qui ont disparu, mais qui quand même un critique, je le dis juste pour un peu louer l'abusement de la chose, mais qui a dit, alors c'est dans une interview de ça, qu'en fait il n'écrivait pas lui-même ses critiques, mais il les confiait à ses petites amies du moment. Et donc, et c'est lui qui a dit que Bouvresse n'avait pas bien compris Wittgenstein, parce que de toute façon, je ne sais pas quoi, il ne savait pas danser le tango, enfin c'était des choses qui étaient complètement aberrantes, et c'était quand même dans le monde des livres. Donc, il y avait des choses comme ça qui étaient un peu des scandales pour la vie intellectuelle française. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais réussi vraiment à savoir si c'est foncièrement différent ailleurs. Si elle disait que c'était fait quand même beaucoup plus sérieusement dans les journaux. Alors, allemand, je connais un peu, effectivement, il y a des choses quand même. Il y a les journaux allemands font davantage ce travail, c'est plus sérieux. En Angleterre, il y a même. Et aux États-Unis, il y a une tradition critique au sens assez respectable du terme, qui faisait quand même pour lui défaut assez largement à la sphère intellectuelle française et qui, finalement, lui a valu quelques ennemis. Voilà, je m'arrête là. Je lis juste une phrase pour dire que vous confirmez, par rapport à nos interrogations au prédicteur, vous avez proposé ce chantier de réflexion, de ce phénomène nouveau et typiquement français, la culture contre la culture. C'est-à-dire qu'il y a ce milieu culturel qui joue, en fait, contre le monde de la culture la plus dynamique, la plus vivante, et que le
grand public pourrait tout à fait accepter, comme il l'accepte pour les plus grandes innovations au cinéma, et pourtant il y a un grand public qui n'est pas le gros public. Quoi. Voilà, je termine là-dessus. J'avais cette thématique. Pour... Alors, excusez-moi. Merci. Alors, merci d'abord pour avoir organisé cet hommage. Je pense que c'est vraiment bien. C'est une chose importante de rendre hommage à un homme comme Jacques Bouvresse, qui, moi, me frappe comme vraiment quelqu'un... d'abord, moi, j'ai été son étudiant, en fait, quelques années. Puis ensuite, j'ai pris une voie assez différente, en réalité. Hein, donc je ne partageais pas beaucoup de ses thèses, en réalité, en philosophie. Je vais revenir sur certaines de ses grandes idées et thématiques centrales dans son œuvre. Mais ce qui m'a frappé à l'époque, c'était sa grande générosité et aussi son honnêteté intellectuelle. Vraiment, enfin, c'était pour quelqu'un qui avait une formation, disons, hypocagneuse, c'était très frappant de rencontrer un intellectuel qui était aussi ce qu'on appellera en anglais un contrarian, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des points de vue vraiment originaux, qui s'opposaient souvent au point de vue majoritaire, dominant. J'ai bien aimé ton expression tout à l'heure quand tu disais le point de vue. J'ai oublié exactement comment est-ce que tu disais le point de vue des vaincus, le point de vue vaincu. Ça me paraît tout à fait juste. En tout cas, une grande méfiance pour le point de vue à la mode, le point de vue dominant. Très frappant. Vraiment, c'est quelque chose qui était très très frappant. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé chez lui, c'est sa complexité. C'est quelqu'un de vraiment extrêmement complexe, qui a d'ailleurs son œuvre extrêmement foisonnante, extrêmement riche. Il n'est jamais là où on l'attend vraiment. C'est-à-dire que vraiment, il est capable d'écrire sur la philosophie des mathématiques de Wittgenstein, donc sur des questions relativement techniques, de manière extrêmement rigoureuse. Et aussi d'écrire sur la littérature, par exemple sur la vérité littéraire, d'écrire sur la musique, sur Musil, bon, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est bien connu, mais voilà, c'est un personnage, donc je vais essayer de pas le simplifier, revenir sur certaines thématiques, rassurez-vous, je vais pas vous faire un cours de philosophie, donc je suis d'accord de toute façon, complètement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, qui me paraît tout à fait juste. Enfin, pas peut-être quelques détails, mais le point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'importance de la vérité et l'importance de la vérité aussi dans sa lecture de Nietzsche. Moi, j'avoue que j'ai été assez frappé par ce livre. Hein. N'étant pas moi-même historien de la philosophie, j'ai lu Nietzsche. Les foudres de Nietzsche. Alors, non. Je pensais plutôt au précédent. Nietzsche contre Foucault. Mais en général, je crois que vraiment ce qui frappe chez lui, c'est sa passion pour Nietzsche et le fait qu'il trouve chez Nietzsche des choses qui finalement ont probablement échappé à la lecture dominante qui en a été faite en France dans les années 70, la lecture avec laquelle moi-même j'étais en tout cas familiarisé en tant qu'étudiant de philosophie dans les années 80-90. Puisque ce sur quoi insiste vraiment Bouvresse, c'est l'importance de la vérité pour Nietzsche. Et le point vraiment crucial, je pense, pour vraiment comprendre son point de vue, c'est la différence entre le tenir pour vrai, croire, donc la croyance, et la vérité objective. Et selon Bouvresse, Nietzsche maintient cette distinction. Et en fait, pour une raison, d'ailleurs, qui rejoint une des remarques de Jean-Michel tout à l'heure, qui tient à la fois à l'attachement à la langue et à l'attachement à l'ordinaire au sens commun. Pour Bouvresse, la raison pour laquelle Nietzsche maintient cette distinction, c'est qu'elle découle de notre usage le plus ordinaire du concept de vérité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire finalement qu'une personne n'ayant aucune formation en philosophie, d'une certaine manière, comprendra mieux la vérité dans son objectivité, peut-être que certains philosophes qui ont cru s'inspirer de Nietzsche, mais probablement sans complètement le comprendre. Donc pour Bouvresse, certes, il n'y a pas d'instinct de la vérité chez Nietzsche, donc nos instincts ne nous portent pas forcément vers la vérité, il n'y a pas même de volonté de la vérité, et à cet égard d'ailleurs, je pense que c'est aussi une raison pour laquelle, pour Bouvresse, la vérité a une valeur morale, parce que là, c'est justement quelque chose vers quoi on n'est pas naturellement porté. Alors ça, moi qui suis plutôt un philosophe, complètement un philosophe analytique, et dans mon travail, disons, philosophique, je m'intéresse à la philosophie de la psychologie, à la philosophie des sciences cognitives,
Un point qu'il faut souligner, c'est que c'est quelque chose qui aujourd'hui est plutôt confirmé en fait par les recherches en sciences cognitives, parce que effectivement, une chose qui apparaît de plus en plus aujourd'hui, c'est que la croyance humaine ne vise pas naturellement le vrai, en tout cas pas toutes les croyances. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un domaine de la croyance dans lequel la croyance est, j'ai envie de dire, naturellement détachée du vrai, ou en tout cas se tient dans une distance par rapport au vrai. Alors évidemment, c'est essentiellement la religion, mais essentiellement, même pas nécessairement, parce qu'en fait, c'est toutes les dimensions sociales, religieuses, mythologiques de la croyance. Donc ça, c'est quelque chose que Bouveresse trouve manifestement chez Nietzsche. Je pense, à juste titre, en fait, moi j'ai été assez convaincu, en tout cas en le lisant. Donc Nietzsche considère que les croyances religieuses sont radicalement fausses, qu'il s'agit d'illusions, mais néanmoins nous les tenons pour vraies et elles nous attirent. C'est-à-dire il y a une apparence de vérité, et c'est aussi une distinction qu'il faut faire pour Bouveresse, entre la vérité, l'être vrai et l'apparaître vrai. Pas parce qu'un discours nous apparaît vrai, qu'il est vrai, et c'est pas non plus parce qu'il nous apparaît comme pertinent qu'il est pertinent. Bon, alors à cet égard, évidemment, cette distinction entre l'être vrai et l'apparaître vrai, je pense qu'elle est importante dans tous ces travaux polémiques. Hein, alors, c'est un point sur lequel Jean-Claude revient aussi dans son livre, dans son excellent livre. C'est le. Bourdieu lui faisait remarquer que peut-être il s'agissait d'une perte de temps. Ça peut sembler un peu étonnant parfois, cet investissement dans la polémique, dans l'actualité. Mais en réalité, je pense que c'est lié vraiment à des thématiques qui sont extrêmement profondes dans son œuvre. Donc, cette importance de la vérité, cette éthique de la vérité, et effectivement, il était, enfin, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai observé, je pense, comme toutes les personnes qui l'ont côtoyé, il était vraiment souvent assez révolté par la manière. La façon dont notamment la presse parfois traitait de certaines questions avec beaucoup trop de désinvolture et pas suffisamment d'éthique probablement. Donc voilà, l'absence d'un instinct de la connaissance et l'absence d'un instinct de la vérité rendent tant la recherche de la vérité que la connaissance difficile, mais c'est pas pour autant qu'elles soient impossibles. Donc encore une fois, notamment dans sa lecture de l'Antéchrist, mais en évidence cette idée chez Nietzsche. Alors, l'opposition à Foucault, il faut toujours avoir en tête que chez Bouveresse, lorsqu'il critique un auteur, c'est toujours avec énormément de respect, et il voit toujours, même chez les auteurs les moins importants, à mon avis, c'est pas le cas de Foucault évidemment, hein, mais il voit toujours des choses intéressantes, et donc ses critiques sont toujours constructives, mais selon Foucault, Nietzsche aurait désimbriqué la connaissance de la vérité. Alors ça, c'est quelque chose que Bouveresse refuse complètement. Et la raison, donc, pourquoi est-ce qu'il le refuse? Alors de nouveau, c'est ce que Jean-Michel a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette volonté de rester très près d'un usage finalement ordinaire du langage. Notre concept ordinaire de la connaissance implique qu'une connaissance est vraie. C'est pas quelque chose de philosophique d'une certaine façon, c'est la manière dont on emploie tous le concept de connaissance. De la manière la plus habituelle et la plus ordinaire, on oppose la connaissance à l'erreur. Et c'est quelque chose qui découle des règles, finalement, qui définissent l'usage de ce concept. Donc ça, c'est ce qu'il rejette chez Foucault, hein, cette idée qu'on peut désimbriquer la connaissance de la vérité. Alors, un point sur lequel je voudrais revenir également, c'est ça, disons, tout ce qu'il a pu écrire et toutes ses réflexions sur la philosophie, c'est un point qui n'a pas encore été abordé, mais en tout cas sur lequel Jean-Claude Monod insiste beaucoup dans son ouvrage, et je pense que c'est tout à fait juste, effectivement, c'est-à-dire que c'est au cœur de son questionnement de s'interroger sur la nature de la philosophie et sur la place de la philosophie relativement à d'autres activités qui, pour lui, ont une importance éminente, comme la littérature, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a non seulement un amour de la littérature, mais qui est convaincu que la littérature nous apporte des connaissances, qu'elle nous apporte des... Voilà, que c'est une manière de connaître, mais qui ne s'oppose pas à la science, qui la complète d'une certaine manière. Et alors, qu'en est-il de la philosophie? Alors, voilà, je vais prendre ma casquette de philosophe analytique.
Parce qu'une chose dont il faut que vous soyez conscient, c'est peut-être pas évident quand on parle de Jacques Ouvresse, mais ce que Jacques Ouvresse est quelqu'un, est un esprit très original aussi dans la philosophie analytique. Ce n'est pas un philosophe analytique typique du tout, hein, pas du tout. Il a une position sur la philosophie qui est une position plutôt thérapeutique, à mon avis. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que j'ai toujours compris ses écrits, qui s'inspire de Wittgenstein, qu'il trouve chez Wittgenstein. Beaucoup des premiers articles qu'il consacre à Wittgenstein au début des années 70 portent sur la manière dont Wittgenstein conçoit la philosophie. Et évidemment, la chose essentielle pour comprendre la façon dont Wittgenstein conçoit la philosophie, c'est l'opposition au scientisme, l'opposition à une manière scientifique, argumentative, théorique de pratiquer la philosophie. Donc en fait, pour Wittgenstein, la philosophie ne peut pas défendre de théorie. C'est pas comme ça qu'on fait de la philosophie. Et moi, je suis assez persuadé que Bouvresse a repris cette idée à Wittgenstein, tout en étant, encore une fois, c'est son côté incroyablement tolérant et généreux. Il a toujours été extrêmement à l'écoute de la philosophie théorique. Il s'est intéressé à des philosophes qui étaient éminemment théoriques, comme Carnap, Frege, Michael de Maistre, Davidson, enfin, un certain nombre de philosophes. Mais disons que, très clairement, ce n'est pas vers ce type de philosophie que son goût le portait, et je pense même pas ses convictions. C'est-à-dire qu'il pense, à mon avis, hein, moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends, il pense que c'est une erreur de pratiquer la philosophie comme un prolongement de la science, ce qui est ce qu'on fait dans une certaine mesure en philosophie analytique. C'est vrai. D'ailleurs, moi je me suis séparé un peu de lui à ce moment-là, parce que j'étais en désaccord avec lui sur ce point. Personnellement, je pense qu'on peut pratiquer la philosophie comme un prolongement de la science dans une certaine mesure. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Bouvresse est un des critiques les plus brillants de cette manière de procéder. C'est quelqu'un qui rejette radicalement le scientisme. Alors, évidemment, pour ses élèves qui étaient conscients de cet aspect de sa position, le fait qu'on ait pu l'assimiler à un philosophe analytique, c'est évidemment très ironique et un peu grotesque. C'est-à-dire parce que, bon, c'est à la fin des années 80, dans les années 90, la violence du monde intellectuel à l'égard de la philosophie analytique pouvait être quand même assez forte. Est-ce que c'est important pour les gens qui sont là, tu pourrais dire ce qu'est la philosophie analytique en peu de mots? Alors, on peut, oui, je pense que essentiellement, c'est une philosophie qui reprend à la démarche scientifique l'essentiel de sa méthode et notamment qui a un canon argumentatif, c'est-à-dire qui pense qu'on peut que la bonne manière de procéder en philosophie, c'est vraiment d'argumenter. Typiquement en philosophie analytique, on publie des articles plutôt que des livres parce qu'on considère que qu'il faut prendre modèle sur la science. Donc les grands scientifiques publient des articles de recherche dans lesquels ils défendent des hypothèses en argumentant. Et les philosophes analytiques utilisent fondamentalement les mêmes méthodes, c'est-à-dire l'argumentation déductive, inductive, abductive, les différentes formes d'argumentation pour essayer de défendre des hypothèses. Alors, cela dit, par rapport à ça, comment ? Il y a question du langage, quand même. Alors oui, effectivement, du point de vue historique, c'est vrai que, surtout disons à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la philosophie analytique s'est définie, et en tout cas s'est déployée avant tout comme une philosophie du langage, c'est vrai. Elle l'est de moins en moins, c'est-à-dire que de fait, ce n'est plus le cas maintenant. Voilà. Est-ce que tu pourrais illustrer ce constat qu'on fait pratique un peu Jacques Bouvresse, il était réticent à la philosophie de l'esprit. Oui, alors plus que réticent, je pense, très opposé. Très opposé à la philosophie de l'esprit. À la philosophie. Alors même la philosophie analytique opérait le passage de la philosophie du langage à la philosophie de l'esprit. Mais justement, la façon qu'il a eu de développer la pensée de Wittgenstein pour nous autres en France a été très axée sur d'énonciation de la philosophie, donc la condition du langage, et il avait cette capacité justement à montrer que par rapport à ce que vous disiez sur l'élémentaire et les niveaux élémentaires de langage, Bouvresse avait été impressionné par le fait que la philosophie de Wittgenstein commence, vous allez, je parle sous votre surveillance, hein,
commence lorsque son frère lui demande de lui dessiner l'hélice maximale, le dessin de l'hélice optimale, pour y faire un graphique scientifique, et à partir de là, Wittgenstein commence à s'interroger sur les limites du langage et considère qu'on ne peut dire qu'en fonction du langage que vous permet de parler. C'est assez intéressant, ça. Oui, ce côté du philosophe ingénieur, qui n'hésite pas à mettre la main. Il a dessiné la spirale, il a dessiné l'hélice absolue. Oui, c'est un très multiple talent. Oui, le piano, etc. Il a une maison pour sa sœur. Voilà, talent d'architecte à Vienne. Et la philosophie analytique chez Wittgenstein, elle est quand même en étroit lien avec l'idée que la philosophie, c'est d'abord et avant tout une thérapeutique. Oui, il faut dissoudre les problèmes métaphysiques en montrant qu'ils ne sont que des problèmes de langage. Une chose qui est assez remarquable chez Bouvresse, évidemment, c'est sa lecture de Wittgenstein, ça c'est une sorte de banalité, mais en même temps, vraiment honnêtement, personnellement, et d'ailleurs je trouve qu'il n'a pas eu assez d'influence dans le monde, disons, anglo-saxon, que ses travaux d'historien, tout simplement parce qu'ils ont été publiés en français pour les anciens, hein, mais c'est très très dommage, parce que un point qu'il a vu, je pense un peu avant tout le monde, c'est le lien qu'il y a chez Wittgenstein entre une réflexion sur la philosophie, et sur la philosophie comme effectivement thérapie, quelque chose qui, une vision de la philosophie qui remonte à l'Antiquité, hein, d'une certaine façon, parce que dans l'Antiquité, il y a déjà cette opposition entre la philosophie comme théorie et la philosophie comme médecine. Et Wittgenstein est complètement du côté de la philosophie comme médecine. Comme Nietzsche, exactement. Et à mon avis, dès le Tractatus, en réalité, parce qu'en fait, le Tractatus, on a pu parfois l'interpréter comme un ouvrage théorique, c'est une erreur de perspective. Beaucoup, ce qu'on appelle en histoire de la philosophie, the new Wittgenstein, les interprétations, disons qu'il y a des interprétations de Wittgenstein, notamment dans la lignée de Cora Diamond, qui insistent sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une erreur, d'un contresens, puisque, disons, dans les dernières propositions du Tractatus, Wittgenstein souligne que tout ce qu'il a dit auparavant était dénué de sens. Il s'agissait de non-sens. Alors, évidemment, on ne peut pas le prendre complètement au sérieux. Je pense que personne ne le prend complètement au sérieux, parce qu'on ne peut pas oublier ce qu'on a lu. Et donc, en un certain sens, les propositions nous disent tout de même quelque chose. Mais le point important, à mon avis, c'est cette opposition à une pratique de scientiste de la philosophie ou une pratique théorique. Alors, pour revenir à ta question sur la philosophie de l'esprit, alors moi, je dirais plutôt les sciences cognitives. C'est Bouvresse, assez sceptique vis-à-vis des sciences cognitives, enfin raisonnablement sceptique, on pourrait dire, mais à mon avis pour de très très bonnes raisons. Enfin, en tout cas, il avait des arguments très très intéressants, et un de ses arguments centraux, je pense, qu'il le tirait effectivement de cette conception thérapeutique de la philosophie. C'est-à-dire qu'il était très sceptique vis-à-vis de l'idée qu'on puisse construire des théories scientifiques sur des questions métaphysiques aussi fondamentales que, par exemple, les relations du corps et l'esprit. Ce que, effectivement, prétendent faire les gens comme moi. mais une chose qui est sûre, alors lui, il était vraiment tout à fait hostile, enfin, philosophiquement, enfin, il n'était pas hostile à la possibilité, bien sûr, de faire ce genre de recherche. Au contraire, même, hein, il les encourageait. Mais philosophiquement, il était plutôt hostile. Il redoutait un scientisme du côté des neurosciences, par exemple. Disons qu'à mon avis, il n'avait strictement rien contre les neurosciences comme discipline scientifique. Je pense qu'il était plutôt sceptique vis-à-vis de la volonté de théoriser sur ces questions. Hein. Puisque une des caractéristiques des sciences cognitives contemporaines, c'est que c'est quand même des disciplines scientifiques, mais qui prétendent aussi soutenir des thèses sur des questions métaphysiques, notamment la relation entre le corps et l'esprit. Et lui avait une conception, disons, de la philosophie qui était assez étrangère à cette manière de faire, à cette manière de procéder. Encore une fois, je pense que pour le comprendre, il faut vraiment voir que c'est quelqu'un qui est fondamentalement anti-scientiste. Il est très très opposé au scientisme
Y compris d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de son livre sur le théorème de Gödel, Prodige et vertige de l'analogie, et sa prise de position en faveur de ce cas uniquement, au moment, parce que alors c'est pareil, hein, il faut se rappeler que ça avait été quand même une polémique extrêmement violente, hein, dans Le Monde, il y a des articles qui étaient parus, qui étaient littéralement insultants, et vraiment assez... c'était très très violent, enfin, il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais discuté un peu avec Bricmont aussi, donc voilà, j'ai le souvenir de ces polémiques. Et donc Bouveresse, de manière presque paradoxale, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'est jamais là où l'entend complètement, prend position très très clairement et très vigoureusement et très courageusement en faveur de ce qu'elle est Bricmont. Alors c'est paradoxal parce que Bricmont est quelqu'un qui penche un petit peu quand même du côté du scientisme, hein, ce cas aussi. Donc d'une certaine façon, Bouveresse n'était pas d'accord avec eux. Il n'était pas, je pense qu'il ne partageait absolument pas leur vision de la philosophie et leur vision de la place de la philosophie. Mais néanmoins, il était quand même... c'est un peu par compensation par rapport au champ intellectuel français. Exactement, c'est ça. Il a l'impression que dans le champ intellectuel français, il y avait une désinvolture telle vis-à-vis de la science qu'il fallait défendre. C'est exactement ça. Qui montrait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Pour une raison presque morale. Voilà, bon, il fallait rectifier... Désinvolture et usage. Ouvrier de la science. C'est ça qui est confortable, une contradiction. On est désinvolte parce qu'on ne connaît pas les théorèmes, on ne sait pas les appliquer, on les décontextualise complètement, mais en même temps, regardez comme je suis brillant. Alors à cet égard, peut-être je peux vous rappeler la phrase très célèbre de Régis Debray sur le théorème. Le théorème de Gödel, parce que Bouveresse aimait beaucoup la citer. Il aimait beaucoup citer cette phrase. Du jour où Gödel a démontré qu'il n'existe pas de démonstration de consistance de l'arithmétique de Peano formalisable dans le cadre de cette théorie, 1931, les politologues avaient les moyens de comprendre pourquoi il fallait momifier Lénine. Alors, oui, il y a ce genre de raccourci assez typique. Bah évidemment, ce qui est ironique là-dedans, c'est que Bouveresse comprenait le théorème de Gödel, ce qui n'était absolument pas le cas de Régis Debray, pas du tout. Et alors, donc, vous expliquez la révolution maoïste, le théorème de Gödel. Oui, ou le besoin de transcendance, toutes sortes de choses ont été expliquées. L'obligation à sortir du système, ouais, mais bon, très analogique, justement, et très peu. Par rapport aux reproches enfin, amicales hein, que lui faisait Bourdieu de perdre son temps dans ce genre de foutaise d'une certaine façon. Je pense que, en fait, il ne perdait pas son temps, parce que, bon, d'une part, il faisait preuve de beaucoup de courage, hein, c'était vraiment quelqu'un de très courageux intellectuellement, et puis, d'autre part, c'est aussi une illustration de la méthode Wittgensteinienne, puisqu'il s'agissait de dénoncer l'usage d'analogie, particulièrement un usage particulièrement débridé de l'analogie, mais pour Bouveresse, il y a aussi quelque chose d'assez profond là-dedans, c'est-à-dire cette apparence du... quelque chose qui peut nous apparaître comme séduisant, qu'on peut peut-être tenir pour important ou tenir pour vrai, mais qui ne repose que sur des analogies un petit peu fumeuses, enfin, même pas un petit peu complètement fumeuses, des généralisations infondées. Et finalement, pour lui, il y avait derrière la séduction de ce type de discours des idées qui pouvaient être des idées philosophiquement pertinentes. C'est ce que je rappelais tout à l'heure, même quand il critiquait Régis Debray, il le faisait d'une façon assez généreuse en fait, et assez en y trouvant parfois de l'intérêt. Donc, par exemple, il souligne que derrière cet usage effectivement très malencontreux de l'analogie, se cache une idée qui a une certaine pertinence, qui est la possibilité pour toute théorie de se fonder elle-même, qui est une idée de Wittgenstein également. Et Bouveresse se dit, mais pourquoi, alors je vais le citer encore, pourquoi utiliser un marteau-pilon pour casser une noix? Parce qu'il écrivait quand même, parfois il avait un art de la formule aussi. Et voilà, Debray utilise un marteau-pilon pour casser une noix. Plus exactement, il se sert d'un instrument de précision qui a été conçu pour toute autre tâche afin d'ouvrir une caisse qui de toute façon l'était déjà. Alors c'est plutôt quand même bien envoyé et aussi très très juste. Alors ce qu'il souligne, c'est que cette idée qu'effectivement la philosophie ne peut pas se fonder elle-même, que la connaissance ne peut pas, enfin, la critique du fondationalisme, c'est bien sûr une des,
une des idées philosophiques qu'il trouve chez Wittgenstein et qu'il discute dès sa thèse hein, dans le mythe de l'intériorité, qui est un livre vraiment très très remarquable hein, d'ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui à mon avis restent complètement d'actualité. Sa lecture, notamment de la critique, de l'introspection, du cartésianisme et toutes les remarques sur le scepticisme et la question du fondement restent tout à fait d'actualité. Elle reste très très pertinente. En fait, il y a les deux pôles où il a été l'introducteur, c'est Wittgenstein et Carl finalement. Quand il intervient, quand Bourdieu lui reproche d'intervenir, mais non, c'est son côté, oui. Carl, c'est le pôle Carl Krauss. C'est l'ironiste aussi, hein. Voilà, c'est le satiriste, l'ironiste et l'intellectuel critique. Moi, je pense en fait que les deux allaient quand même assez de pair. C'est-à-dire, il y a ce thème, je pense qu'il y a ce thème de la responsabilité à l'égard du langage, voilà, qui relie Wittgenstein et Krauss, d'ailleurs, qui est en fait une forme de, je parle critique, de critique du langage, justement. Oui. Et avec cette idée qu'il faut être capable de répondre de ce qu'on en a dit. Et c'est ce que Krauss reprochait beaucoup aux journalistes, souvent, c'est de produire des énoncés dont ils ne se sentaient pas tenus de les défendre ou de les fonder. Et c'est aussi ce que Bouvresse se reprochait à une partie du champ philosophique, c'était parfois de préférer justement des formules brillantes, mais définitives, plutôt que d'essayer vraiment de régler les problèmes, enfin de les régler. Je pense qu'il n'y a pas dans cette perspective wittgensteinienne, on ne peut pas vraiment régler les problèmes une fois pour toutes, mais on peut travailler à les dénouer, à montrer qu'ils sont mal formulés, à montrer qu'on peut les clarifier. Il y a un travail de clarification pratiquement sans fin, mais qui implique justement quand même un travail assez patient, souvent de distinction, d'éviter des erreurs de catégorie, des erreurs d'emploi, de concept. Un des exemples que je trouve assez frappant, c'est l'emploi complètement inflationniste de l'idée d'interprétation. L'idée que tout, qu'on ne fait jamais que interpréter, qu'on interprète tout le temps, qu'il n'y a pas autre chose que l'interprétation dans notre rapport au signe, alors que Bouvresse a montré qu'il y a une forme de compréhension qui est plus directe, plus simple, tout énoncé devient l'objet d'interprétation au sens, distinguer les sens de l'interprétation, etc. Et ça évite, je pense, effectivement des malentendus, à la fois sur le langage et son rapport au réel, si un peu, et sur l'activité philosophique elle-même, c'est-à-dire l'activité philosophique a quand même un dehors, à des choses, à ce qu'on peut pas rendre compte, et doit elle-même pouvoir dans la cité, et aussi dans le réel. Bon, il y avait ce souci, il a choisi comme titre de son livre d'entretien avec Jacques Rosa, la philosophie, le réel. Il y avait quand même cette idée voilà, que la philosophie n'était pas quelque chose qui était auto-référentiel, mais qu'elle devait rendre compte de ce qui est, avec une forme de bon sens paysan, c'est-à-dire voilà il faut, et ce qui fait aussi que je pense que ça explique parfois l'exaspération vis-à-vis d'un certain style philosophique qui a l'air de décrocher en fait de ce souci. Et je pense que ça c'est une chose à prendre de son enseignement et de ses livres, parce que parfois quand on vient à la philosophie, y compris justement dans une tradition très rhétorique, la tradition française, des bouquins, etc. Au fond, la question de savoir si c'est vrai ou pas, par exemple, n'est pas très important. Il y a des faits rhétoriques qui sont importants. Après, on dit oui, mais c'est presque une question à peu près. Par exemple, vous revenez sur le fait qu'il avait été ironique à l'égard de la fameuse formule de Foucault à la fin des mots et des choses sur l'humanisme de l'homme qui est une image qui s'effare sur le sable. Évidemment, ça a fait son effet kitsch, je dirais. Mais Foucault, il y avait parfois un côté comme ça. Quelqu'un qui écrivait très bien pour le coup, mais vraiment une sorte de vertige aussi de la formule. Il y avait aussi, mais bon, ça c'était dans une interview, hein, il y avait cette formule qui disait la raison c'est la torture, sans ça d'exaspérer Bouvresse. Mais bon, je crois que c'est une traduction, c'est une interview allemande, etc. Où ils ont mis ça en titre, donc c'était pas en fait. Mais donc, effectivement, le genre de formule tonitruante dont à un moment la philosophie avait un petit peu le secret. La langue est fasciste, des choses comme ça. Bon, alors ça, c'était des choses qui avaient passablement exagéré. C'est vrai, c'est qu'effectivement, je pense qu'on voyait ça pose d'éthique, aussi d'éthique d'essayer de dire des choses qui ont une accroche.
bénéficier de la vérité de ce qu'on dit aussi, tout simplement. Le référent. Le référent. Antoine Spire, qui nous a rejoint, peut-être Antoine, peux-tu évoquer l'effet que a eu pour toi la connaissance de la philosophie de Bouvresse et ce qui nous a permis de connaître à travers les philosophes et les auteurs dont on vient de parler. Je l'ai beaucoup discuté avec lui, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. Oui, c'est ce qu'on a dit avant que tu arrives, pour justement expliquer pourquoi nous avons voulu rendre hommage à Bouvresse. Voilà. Je peux vous mettre là ? Oui, parce que tu seras dans le champ. J'ai beaucoup discuté avec lui et moi, ce qui me frappait le plus, c'était son intégration volontaire de concepts différents sur le plan culturel, c'est-à-dire à la fois des éléments littéraires, strictement littéraires, à la fois des éléments philosophiques extrêmement différents et la volonté de rendre compte de ce qu'était le livre et de ce qu'on faisait du livre. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez remarquable, cette manière de faire. Et c'est mon frère qui a écrit son article, j'ai retrouvé l'article qu'il avait écrit au jour de sa mort, en disant que c'était l'avenir d'une désillusion. Et c'est vrai qu'il y avait chez lui, finalement, la volonté de rendre compte du réel tel qu'il apparaissait concrètement pour chacun des lecteurs, quelle que soit la culture de ces lecteurs. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire. Et à la fois, il mélangeait les thématiques, et en même temps, il avait la volonté de permettre à tout un chacun d'acquérir des domaines qu'il n'avait pas. Et moi, j'ai toujours été assez fasciné par sa manière de faire, et je l'ai toujours trouvé assez intéressante. Quand il disait qu'au fond, il conduisait une désillusion par rapport au réel, moi j'aimais bien ça, parce que c'était la volonté de refuser toute manière de dire que tel ou tel élément n'était pas un élément intellectuel, il fallait le prendre en compte. Et sa vision globale était assez intéressante. Là, je dirais seulement que sa spécialité du langage a joué un grand rôle, parce que, vous l'avez dit au début, mais ça me paraît absolument essentiel, il savait vraiment intégrer la spécificité des langues comme la spécificité des thématiques. Oui, moi j'ai été très frappé par cet aspect également, la place qu'il fait à la connaissance de l'écrivain, à la connaissance philosophique. Encore une fois, pour lui, le but de la philosophie, c'est quand même probablement de produire des connaissances, mais il ne s'agit peut-être pas exactement du même type de connaissances que celles qu'on trouve dans le domaine scientifique. Alors un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'était le réalisme, parce que je crois que c'est un point qui a été abordé à plusieurs reprises et qui me paraît aussi vraiment très très important. C'est un des aspects, je pense, vraiment centraux dans son œuvre. Alors, il s'agit d'un réalisme, mais pas au sens, à mon avis, alors ce serait peut-être mon seul désaccord avec toi, par rapport à ce que tu avais dit au début, à mon avis, je pense qu'il ne s'agit pas d'un réalisme au sens du réalisme scientifique, de ce qu'on appelle le réalisme scientifique en philosophie des sciences, mais plutôt de ce qu'on appellerait aujourd'hui le réalisme naïf. C'est-à-dire vraiment, alors d'ailleurs ça a été un des premiers philosophes en France, disons dans la période récente, à s'intéresser à la philosophie de la perception, alors en dehors de l'école disons de la phénoménologie, donc dans un cadre un petit peu différent, donc il s'est intéressé à la perception, à la nature de la sensation, et il a défendu à cet égard vraiment le réalisme naïf, c'est-à-dire la thèse d'après laquelle par exemple les couleurs, les sons, existe indépendamment de notre esprit. Il y a cette question qu'on pourrait se poser de savoir qu'est-ce qui se passerait si tous les êtres humains disparaissaient, est-ce qu'il y aurait encore des sons et des couleurs ? Dans Bouvresse aurait répondu oui, 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 il y aurait encore des sons et des couleurs, et la perception nous donne un accès direct à ces sons et à ces couleurs. Et donc par rapport à ce que vous disiez de la philosophie, et aussi à ce que disait Jean-Michel, une certaine approche modeste en fait de la philosophie, ça me semble aussi lié, c'est-à-dire il y a cette idée qu'au fond, lorsqu'on perçoit le monde, on
on a une forme de connaissance, et on a tous cette forme de connaissance, qu'on soit philosophe ou pas, à cet égard, on est tous à égalité. Mais cette forme de connaissance est absolument essentielle en philosophie. Elle doit jouer un rôle central en philosophie de la connaissance. Alors là, il a été assez précurseur aussi pour le réalisme naïf, assez à la mode en philosophie analytique récemment. Et Bouffresse a été un des premiers à défendre en France cette position, qui paraissait à l'époque un petit peu exotique, hein, l'idée que les couleurs ne dépendent pas de l'esprit, donc une forme vraiment d'anti-cartésianisme assez radicale. D'ailleurs, à cet égard, il avait des positions en philosophie de l'esprit quand même, hein, Bouffresse, hein, il était très anti-cartésien, voilà, depuis le mythe de l'intériorité. Et pourquoi il est passé complètement à côté de la phénoménologie? Je ne pense pas qu'il soit passé complètement à côté. C'est une sœur, aucune importance pour lui. J'aurais pas dit ça nécessairement. Mais peut-être tout simplement parce qu'il s'est intéressé à d'autres auteurs et qu'on n'a pas tout faire. Hein. Je pense que la phénoménologie avait occupé une trop grande place. Voilà. Enfin, ça, parce que la phénoménologie est un peu la part du lion, disons, entre Sartre, Jean-Paul, Lucinas, etc. Et donc il estimait par exemple que, y compris la philosophie analytique, dont il n'était pas un tenant, mais il estimait qu'il fallait quand même travailler et qu'il fallait faire connaître la philosophie analytique sans épouser ses positions, mais que en revanche la phénoménologie était, je pense que c'est vrai, enfin moi je suis dans un laboratoire, je fais des archiboussères, hein, donc je ne vais pas loin sans trop dire du mal à la phénoménologie, mais on peut dire qu'elle a été assez bien servie en France quand même, la phénoménologie, même remarquablement par rapport à peu près la totalité des autres pays, à part même par rapport à l'Allemagne. Et si elle avait une certaine vérité, ça n'aurait pas dû échapper complètement à Bouffresse. Il y a une critique de la phénoménologie au début du milieu. Il oppose le réalisme naïf au réalisme perceptuel. Il conjure complètement tout ce qui pourrait être de l'ordre du constructivisme, exactement comme Husserl défend le retour aux choses mêmes et l'époquer. Enfin, Husserl était quand même... au bout du compte, idéaliste. Et Bouffresse écrit, c'est justement une citation, il dit l'essentiel du combat que j'essaie de mener est un combat contre l'idéalisme. Oui, on a toujours l'impression quand il dit ça qu'il lutte contre lui-même, puisqu'il était complètement idéaliste quand il était gamin, hein, il n'avait pas cesse de le rappeler, et on a toujours l'impression qu'il est tout, c'est un homme, je ne veux pas dire du ressentiment, mais de la réaction. Il réagit contre lui-même. Ah, c'était quand même un vrai progressiste, hein, sur le plan politique. C'était tout sauf un réactionnaire. C'est juste une expression réactionnaire. Mais on a l'impression qu'il tord, il cherche toujours à tordre le bâton dans l'autre sens. Bah, ça, c'est l'approche des critiques Einsteiniennes, en même temps, qui est une approche fondamentalement de critique du langage et de critique de la philosophie. Et avec Krauss, on ajoute un peu de critique de son propre milieu. Il y a cette idée de l'oiseau qui souille son nid. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est souvent con. Bon, il y a ce fameux article qui dit Why I'm so un-French. Donc, oui, vraiment, donc, tout ce qui était un peu dominant, effectivement, dans la philosophie française de l'époque, donc, que ce soit la psychanalyse, alors il a fait un livre intéressant sur Wittgenstein, le critique de Freud, mais que ce soit. Et en un sens, la phénoménologie, je pense que, dans le livre d'ailleurs, Un langage perception de réalité, il y a une discussion, hein, de Husserl, donc c'est pas du tout, et c'est un auteur qui respectait beaucoup, plus bon, Husserl vient des mathématiques, c'est un auteur qui a beaucoup, et en un sens d'ailleurs, toute cette histoire, c'est une histoire aussi où il y a des influences réciproques, et maintenant on revisite un peu quand même, c'est pas une guerre de tranchées non plus, il y a des souches communes aussi dans les traditions. Sur le terrain de la philosophie mathématique, par exemple, donc, il est anti-idéaliste au sens où il est anti-platonicien. Il récuse complètement ça. Et donc ça le conduit à défendre une position réaliste quasiment au sens aristotélicien. Et il passe par exemple à côté, me semble-t-il, d'un travail comme celui de Santi sur les idéalités mathématiques. De Santi était son directeur de thèse. Est-ce que son réalisme naïf doit jeter aux oubliettes les idéalités mathématiques de Santi? Ça ne me paraît pas. Mais son apport à la philosophie des mathématiques, c'est quand même pour l'essentiel sa lecture de Wittgenstein. Son travail aussi historique sur Gödel. Il a consacré des cours en France à Gödel. Je ne sais
sais pas si lui-même, honnêtement, certes, il rejetait probablement le platonisme, la philosophie des mathématiques, ça me peut paraître clair. Est-ce qu'il avait pour autant une position bien définie en philosophie des mathématiques? C'est que ça ne me paraît pas complètement clair. C'est-à-dire, je ne suis même pas complètement sûr que dans ce domaine précis, il adoptait la position de Wittgenstein, qui est une position, il faut dire que la position de Wittgenstein en philosophie analytique est plutôt une position qui est considérée comme un peu marginale, qui est, en tout cas, qui est très difficile à cerner. Hein, les remarques sur les fondements des mathématiques de Wittgenstein avaient été reviewées par un certain nombre de mathématiciens et de philosophes qui avaient été extrêmement critiques, en fait, extrêmement violents, en reprochant à Wittgenstein de ne pas comprendre Gödel, par exemple. Alors Bouvresse, c'était quelqu'un, c'est toujours pareil, hein, c'est la complexité du personnage. À la fois, il a écrit certains des articles les plus intelligents et des livres, parce qu'il a consacré plusieurs livres, hein, en fait, à la philosophie, le pays des possibles, par exemple, la philosophie des mathématiques. Mais en même temps, il était fasciné par Gödel, et je ne suis pas complètement certain qu'il était d'accord avec les analyses de Wittgenstein. Hein, sa position était souvent une position très subtile et très complexe. Hein. C'est un personnage. Il y a des commentaires aussi, hein, largement, de Wittgenstein. Ce n'est pas qu'il fallait s'adhérer. Les idées et les thèmes mathématiques, ça l'aurait amené chez Husserl. Il fallait absolument qu'elle vienne à la télé. Il y a quelque chose qui avait été. Ah, mais évidemment, vous plaît. Sa filiation du côté de Candidat et donc du côté d'une épistémologie française très scientifique, très appuyée. On oublie Daguenien d'ailleurs, vous n'en parlez pas du tout. Parce qu'il n'était pas dans son. Pourtant, sur la biologie, c'est pas évident. Ce qui est très amusant, c'est qu'il est dans cette ligne-là et qu'il s'appuie, il a toujours une peur du scientisme. C'est très intéressant. Il est aussi un critique du scientisme. Pourquoi il y a ça? C'est qu'à un moment donné, il y a comme s'il avait peur d'une dérive de la science, alors que sa filiation philosophique est très appuyée sur les sciences, les plus solides, hein, les théories françaises est claire là-dessus, moi celle-ci. Qu'est-ce qui explique cela d'après vous? Qu'est-ce qui explique cette crainte? Parce que moi, quand on va chercher toujours le concept de scientisme, je m'en méfie. Je me méfie toujours de l'usage du scientisme, qui est tout de suite un dénigrement de la science derrière. C'est pas le cas. Alors, effectivement, moi je pense qu'il avait un grand intérêt pour la philosophie des sciences, pour la tradition de l'épistémologie française, notamment pour Canguilhem et Villemin, enfin, et d'autres, et Caballès qui cite beaucoup, notamment d'ailleurs dans La demande philosophique, mais aussi il a fait des articles sur chacun. Mais en fait, chez Canguilhem, il y a bien une critique du scientisme, c'est-à-dire il y a l'idée que si on pense à la biologie, en fait on pense d'ailleurs à une forme de rationalité scientifique spécifique, et que par exemple la physique ne peut pas rendre compte de l'ensemble de l'être sur le même mode, et qu'il faut rendre compte par exemple du vivant avec d'autres méthodes que celles de la physique. Et le scientisme, c'est plutôt dans ce cas-là la prétention à tout expliquer sur un mode unilatéral et omni-explicatif à partir d'une science. Et ça, il y a cette critique du scientisme chez Canguilhem. Donc en ce sens, je pense que Bouvresse défendait toujours une sorte de rationalisme critique qui trouve des appuis dans la science. En un sens, je pense qu'il n'était pas tout à fait, même s'il était wittgensteinien, souvent il s'était un peu compensé par cet intérêt aussi pour le cercle de Vienne et pour la façon dont Carnap ou d'autres avaient quand même essayé de renforcer la rationalité en la nourrissant d'un savoir scientifique. Donc je pense qu'il y avait un grand respect pour la science, mais une méfiance vis-à-vis de la tendance à ériger la science ou une science particulière en discipline omni-explicative. Et le scientiste, ça pouvait prendre aussi, ça peut prendre des formes multiples, évidemment, ça pouvait prendre aussi dans les 70, je pense, la forme un peu de marxiste-léniniste, parce qu'il y aurait une science qui, en l'occurrence, qui est le matérialisme dialectique, qui expliquerait tout. Et ça, bon, c'est l'abus du nom de la science. Et il y a un article fameux de Bouvresse qui s'appelle « La science sourit dans sa barbe ». C'est-à-dire qu'en fait, on invoque la science, mais sur un mode qui n'est pas conforme, justement, à la. Aux exigences de la mise à l'épreuve, de l'expérimentation,
de l'invalidation d'énoncés, etc., qui est la véritable forme de l'intelligence scientifique. Donc je pense que c'est vraiment central, effectivement. Et ça n'empêchait pas qu'il soit vu comme scientiste par des gens pour qui c'est déjà trop d'invoquer cette rigueur-là. Son attitude à l'égard de Darwin, il est très très, très, très circonspect par rapport à l'utilisation qu'on peut faire de Darwin, parce que c'est le ferment même d'une idéologie spontanée. Enfin, Darwin. Je pense à ça parce que, par exemple, la question de la vérité, s'il suivait Nietzsche, interpréterait sans doute la notion de vérité du point de vue darwinien. La vérité, c'est ce qui a résisté à la sélection. Les valeurs, d'une manière générale, sont le produit d'une sélection naturelle. Alors ça, il ne veut pas en entendre parler. Nietzsche, Darwin, il en parle un peu dans Les Foudres de Nietzsche, mais c'est un dossier complexe. Ce qui revient à, simplement à une sorte de trivialité, c'est-à-dire que c'est simplement, pour moi, ce qui définit ou qui donne un sens au concept de vérité, c'est cette règle qui fait effectivement qu'on peut, que lorsqu'on attribue la vérité à un énoncé ou une proposition, on peut affirmer cet énoncé ou soutenir cette proposition. Voilà. Et c'est ce qu'on apprend, je pense, lorsqu'on est gamin et qu'on apprend le concept de vérité. Et c'est la conception de la vérité que défend David Wittgenstein, je pense. C'est ce qu'on appelle en philosophie analytique la conception déflationniste, parce que c'est la conception la plus minimale, la plus modeste. Je pense que Brest, par exemple, n'aurait pas nécessairement adhéré à une conception de la vérité comme correspondance. Après, on peut faire des théories de la vérité beaucoup plus ambitieuses. Pour Bouvresse, je pense que c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, Bouvresse aurait dit le concept de vérité, c'est un concept tout à fait banal, qui n'est pas un concept philosophique, qui est un concept que tout être humain comprend et qu'il utilise dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire, tout être humain sait que lorsqu'une proposition est vraie, par exemple, on peut la défendre, la soutenir, et qu'il est juste, en un certain sens, ou correct de la croire. Et donc, ça, c'est. Voilà, c'est un concept qui est partagé par tous les êtres humains. Après, est-ce qu'on peut faire une théorie et essayer de faire une théorie profonde de la vérité? Moi, personnellement, je pense que précisément, c'est le genre de choses qu'il aurait rejeté. C'est-à-dire que, précisément, encore une fois, il y a toutes sortes de théories de la vérité en philosophie analytique. Hein. La plus célèbre étant la théorie de la vérité comme correspondance. Donc l'idée qu'on peut définir ce que c'est que la vérité comme une correspondance entre les mots, les énoncés et les choses qui existent réellement, les faits, comme aurait dit Russell Moore. Mais Bouvresse aurait probablement été assez sceptique vis-à-vis de ce genre d'approche. Enfin, j'en suis quasiment certain. Il aurait insisté sur plutôt le côté assez banal du concept de vérité, et néanmoins très important. Parce que ce n'est pas parce qu'un concept est banal qu'il n'est pas important. Le concept de connaissance est extrêmement banal, et ce n'est pas non plus un concept de dégrin. Et pourtant, la connaissance est quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense qu'il en va exactement de même de la vérité. Pour Bouvresse, la vérité avait une valeur. Pour revenir sur la question tout à l'heure par rapport au scientisme, Bouvresse ne faisait pas ce reproche aux sciences, en fait. C'est pas quelqu'un qui était méfiant vis-à-vis de la science. Il n'était pas tellement méfiant vis-à-vis de la science. Il était plutôt optimiste, quand même, je pense. Je pense qu'il était plutôt méfiant vis-à-vis d'un certain usage de la méthode scientifique, notamment en philosophie. Voilà. Ce qu'il conduisait à dire que la philosophie n'est pas une connaissance. La philosophie n'est pas un contenu de connaissance. C'est une pratique. C'est une pratique nosologique, voilà. Mais il n'y a pas de contenu. Et c'est parce qu'on s'imagine qu'elle a un contenu qu'on
confondre la philosophie avec l'histoire de la philosophie, et que aujourd'hui les académistes qui le redisaient littéralement. Et quand on s'inscrit dans cette idée que la philosophie, ça n'est pas une connaissance, on est parfaitement à l'aise. Mais il me semble qu'il est quand même plus ambigu que ça, parce qu'il y a quand même, comme le disait Jean-Claude, et je suis d'accord, hein, parce que tout à l'heure quand j'ai présenté ces idées centrales, j'ai peut-être un peu simplifié aussi certaines choses, mais il n'est pas toujours non plus Wittgensteinien, vous voyez ça, et il est probablement plus attaché à la rationalité que l'était Wittgenstein. C'est probablement un philosophe plus rationaliste que Wittgenstein. Il le dit d'ailleurs explicitement dans certains textes. Non, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est aussi, c'est pour ça qu'on peut concilier ce que vous disiez sur le fait qu'il adhérait à cette vision thérapeutique de la philosophie qui est plutôt en décalage par rapport à la philosophie analytique, et néanmoins qui défendait quand même l'argumentation, notamment par rapport à l'usage français extrêmement rhétorique de la philosophie. Donc là-dessus, c'était un peu la difficulté. Et sur la vérité, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de passages de ses livres où il essaye d'examiner. Il y a une énorme littérature sur cette question. Si la définition classique de la vérité comme adéquation de l'énoncé à la chose, bon, c'est la définition depuis la scolastique, et on peut la faire vers Platon, le moïosis, etc. Si cette définition présente beaucoup de problèmes quand on l'approfondit. C'est quelque chose dont la philosophie analytique a fait beaucoup état. Et donc, lui-même développe toutes ces difficultés quand il examine, disons, le concept de vérité. Et en même temps, effectivement, je pense que c'est quelqu'un pour qui on ne peut absolument pas se passer de la notion de vérité, presque, je dirais, en tant que citoyen aussi. C'est-à-dire, si on se dit que, notamment cette idée qu'il n'y aurait pas du tout de fait, qu'il n'y a que des interprétations, donc une phrase de Nietzsche qu'on a beaucoup citée, mais qui pour lui n'en voyait pas d'ailleurs la conception profonde de Nietzsche, mais l'idée qu'il n'y a aucun fait, que des interprétations, ne rend pas compte, d'ailleurs, de notre propre rapport au langage et du fait qu'il y a des choses sur lesquelles on s'appuie et on s'appuie dessus comme des faits, vous voyez. Même dans ce que je suis en train de vous dire, voyez, je suppose que des choses sont plus ou moins, qu'on peut plus ou moins étayer certains propos, et donc il y a une croyance dans la vérité, dans notre langage ordinaire. Et cette croyance, elle a une importance dans la vie même de la démocratie. Et ça, c'est beaucoup dans ses derniers livres, où il était assez effrayé, bon, par Jean-Philippe y a fait allusion tout à l'heure, par le développement tous azimuts de prolifération de discours déconnectés en fait de du souci de la réalité, et parfois simplement manipulatoire d'ailleurs, donc, la question des fake news, etc., quelque chose qui me préoccupait beaucoup, c'est-à-dire l'impression et avec la crainte en fait que la démocratie ne soit pas vraiment possible s'il n'y a pas un minimum d'accord possible, justement, sur des choses minimales, et sur si on ne peut plus dire que telle chose a eu lieu ou pas, si on ne peut plus dire, bon, c'est aussi un exemple électoral, un résultat électoral qui a tel nombre de voix, qu'il y a, c'est l'exemple du premier arrêt aussi, que c'est l'Allemagne qui envahit la Belgique, et pas l'inverse, vous voyez, des choses. Est-ce qu'on a besoin? Alors il y a ça, et il y a la question de l'élaboration philosophique de la question de la vérité qui peut entrer un peu en tension, je dirais, même chez Bourdieu, parce que dans les pages qu'il consacre à la vérité, parfois il est obligé de compliquer beaucoup la question de la vérité. Et c'est une chose d'ailleurs que je trouve intéressante aussi par rapport à la question de la science. Il dit que beaucoup de travail a été consacré, notamment d'ailleurs en France, et des choses intéressantes. Hein, d'ailleurs, il a fait lire Yann Hacking au Collège de France, qui était un historien des sciences, qui avait beaucoup travaillé sur l'aspect constructif des sciences, sur le fait que les sciences aussi construisent leur objet, qu'il y a des effets de boucle entre, par exemple, dans les sciences humaines, entre les catégories des sciences humaines, et la façon dont les gens se mettent à vivre avec ces catégories. Tout ça. Donc, là aussi, on a trouvé beaucoup de complexité dans la construction de l'objet scientifique. Mais il disait que ce serait bien aussi de montrer comment la science a un rapport à des réalités objectives, comment elle permet aussi, d'ailleurs, sans doute, c'est la question de l'articulation science-technique, un certain développement technique, etc. Et ça, il trouvait qu'au fond, c'était un peu une question tendanciellement délaissée par les philosophes au profit de cette façon de montrer comment les choses sont construites, la construction sociale des sciences. Donc, il y avait toujours un peu ce positionnement complexe, comme l'a rappelé Pascal.
Ludwig, qui, où il faut tenir à la fois, je dirais, des exigences un peu minimales, mais vitales, vraiment essentielles pour lui. Et si on les liquide, on ne mesure pas ce qu'on perd. Enfin, je pense qu'il y avait cette idée que parfois les philosophes sont prêts à liquider théoriquement, à dire, bon, bah, tout ça c'est ringard, c'est désuet, l'idée de vérité objective, bon, on sait bien qu'il n'y a que d'interprétation, on sait bien que le sujet, la subjectivité, c'est un pur effet. Et bon, est-ce que vous êtes vraiment prêts à assumer toutes les conséquences de ce que vous dites? C'est ça, moi, c'est disons, de la responsabilité. Est-ce qu'on peut se passer de cette idée de vérité? Est-ce qu'on peut se passer de cette idée de réalité? C'est vrai qu'il voilà, y a peut-être cette tension, hein, parce que lui-même, après, entraîne dans la complexité historique, philosophique de ces questions, tout en défendant parfois un point de vue qui peut avoir l'air plus simple que ce qu'il défend dans ses élaborations historiques. Mais son concept de vérité, est-ce que... Et le côté déconcertant, je pense à votre question, là. Le côté déconcertant que peut avoir le rapport à la vérité tel que les mots du Einstein, il faut me souvenir que la première phrase de Tractatus, c'est le monde et tout ce qui arrive. Donc, le monde et tout ce qui arrive. Le monde et l'ensemble des faits, etc. Dans ces choses. Mais évidemment, comme il faut relire le Tractatus à partir de la fin, c'est difficile de les prendre à l'épargne. Oui, une réflexion sur l'aspect statique ou dynamique de la compréhension de la vérité, parce que comment, si je vous écoute par rapport à ce que vous venez de dire, il n'est pas tout à fait donc, dans la conception généralement statique, c'est-à-dire, je vois le soleil, il est jaune. Si je passe par le milieu scientifique, alors c'est un peu Richard Feynman en physique, qui va travailler sur la neurobiologie de l'œil, et qui va nous dire, en fait, c'est l'œil qui voit comme ça, qui nous donne cette impression. En fait, on sait maintenant, par la science d'aujourd'hui, que le soleil, en réalité, est vert. C'est une étoile relativement jeune. Bon. Donc, nous, on est dans le mensonge, par nos sens. Et donc, ça implique pour le philosophe d'être soit statique, c'est-à-dire c'est la vérité, c'est pas autrement, soit dynamique, c'est-à-dire c'est la vérité de maintenant qui, par la science, ou grâce à la science, un peu ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas devant une connaissance philosophique, mais devant une pratique qui serait donc souple. Comment Bouvresse, lui, comprend-il cette vérité statique ou dynamique? Alors d'abord, je pense qu'il faut, distinguer la connaissance et la croyance qu'on a une connaissance. Ça, c'est quelque chose qu'il rappelle régulièrement, beaucoup d'interventions. Souligne, voilà. Donc, dans l'histoire des sciences, pour un réaliste comme Bouvresse, ou comme moi par exemple, parce que je partage ce point de vue personnellement, les exemples, disons, d'erreurs scientifiques ne sont pas vraiment des contre-exemples au réalisme, il s'agit juste de situations dans lesquelles les gens ont cru avoir une connaissance. Voilà. Donc, en fait, le réaliste n'a pas tellement de soucis avec l'aspect dynamique et avec, disons, l'histoire des sciences. C'est plutôt même l'inverse, parce que on peut, il y a, disons, des arguments en faveur du réalisme qui partent de la constatation du succès de la science. En fait, malgré tout, malgré ses erreurs, malgré ses errances, malgré le fait que telle et telle théorie se soit révélée fausse dans l'histoire des sciences, malgré tout, nos théories marchent très bien, permettent de faire des prédictions. Et la meilleure explication de ça, c'est quand même probablement que beaucoup des hypothèses qui sont défendues dans ces théories sont vraies. Donc ça, je pense que c'est ce qu'aurait dit Bouvresse. Moi, je l'ai souvent entendu répéter qu'au fond, bien sûr, on ne sait jamais si nos théories sont vraies. On croit le savoir. On y adhère. On y adhère, donc c'est le fameux tenir pour vrai. Hein? On les tient pour vrai. On y adhère. Mais le plus probable, c'est que quand même, beaucoup des hypothèses qu'elles défendent sont vraies, effectivement. Hein? Alors, donc ça, c'est quelque chose qu'il répète très très souvent. Un côté opératoire. C'est pas sûr. Ben, je crois que Bouvresse, lui, était vraiment réaliste à cet égard. Il pensait. Bon, on peut défendre un point de vue instrumentaliste, hein, bien sûr, sur la science, mais c'était pas son point de vue à lui, en tout cas. C'était pas. Par rapport aux théories fausses, elles fonctionnent jusqu'à un certain point. Moins bien, justement. Elles fonctionnent moins bien. Oui, moins bien. Et ouais. À un moment donné, le modèle est repensé, le paradigme est repensé, et on arrive à une autre conception qui est plus proche.
on est quand même dans ce mouvement-là de la science. Si on n'est pas scientiste, on est dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, la science amène une connaissance, un savoir, qui est opératoire. Je pense que la question de l'opératoire, c'est ce qui vérifie la valeur de la théorie. Jusqu'au jour où il n'est plus assez opératoire, où il ne fonctionne plus du tout. Donc, à ce moment-là, on révise la théorie, on prend un contre-pied total, et des ruptures, il y a quand même des ruptures en science, avec les technologies qui sont existent qui permettent de revoir. Écoutez, je pense que vous êtes en plein dedans sur la question cognitive. Avec la neurobiologie et autre chose, il y a quand même quelque chose qui va se passer là, à ce niveau-là, et qu'il y a 50 ans, on n'aurait pas avancé ces questions-là. Alors, bon, moi, mon point de vue, j'essaie surtout d'expliquer ce que nous avons ce soir. Disons, simplement, un point sur lequel je suis assez sûr de moi, c'est que je pense que Bouvresse, il aurait quand même, disons, il prenait notamment, par exemple, la position de Kuhn sur la révolution scientifique, ou la position de Bachelard, fondamentalement dynamique. Toutes ces positions-là, je pense qu'il les prenait avec pas mal de recul quand même, et qu'il était fondamentalement réaliste. C'est-à-dire, lui aurait dit, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes révolutionnaires, il y a des changements importants, il y a des parties de certaines théories fondamentales qu'on abandonne, qu'on remplace. Néanmoins, il y a aussi un certain nombre de vérités qui restent stables. Et je pense qu'il aurait plutôt insisté là-dessus, sur cette stabilité. Donc c'est encore un exemple de son réalisme. Hein. Comment peut faire fonctionner le réalisme? Par exemple, tu évoquais Bachelard. Prends la notion de profil épistémologique chez Bachelard, dans la philosophie du nom. Donc, tu sais, où il prend le concept de masse. Hein, il dit bah, le concept de masse, il est pris en charge successivement par des théories. D'abord, la masse, c'est la massue. Et puis la masse, c'est le rapport, enfin, etc. Ouais. Et puis on a l'antimatière, etc. Comment ça fonctionne, le réalisme naïf? Alors, moi, le naïf. Alors, ce que, à mon avis, Bouvresse aurait dit exactement ce qu'il dit à propos de l'histoire de la vérité chez Foucault. C'est-à-dire, il aurait dit, il y a une histoire du concept de masse, mais ça n'implique pas qu'il n'y ait pas une propriété qui corresponde à ce concept et qui existe réellement. Ça n'implique pas qu'il n'y a pas une réalité physique que décrivent ces théories. Et le fait que les concepts évoluent, contrairement à ce que croient certains philosophes des sciences, par ailleurs, tout à fait éminents, le fait que les concepts scientifiques évoluent n'implique pas nécessairement que les propriétés, qu'il n'y ait pas de propriétés stables auxquelles ces concepts réfèrent. Oui, je pense que c'est cette distinction. C'est vraiment c'est la distinction. L'histoire de ce qui est tenu pour vrai, l'histoire du vrai. C'est-à-dire, ces approches de la masse, etc., sont des approximations de ce qui est tenu pour vrai, qualifié à différents moments. Mais à un autre niveau, on peut voir que c'est plus ou moins, ça correspond plus ou moins. Le croyance évolue, le théorie évolue. C'est un peu pragmatique. Non, pourquoi pragmatique? Le tenu pour vrai, oui, mais sauf que s'il n'y avait rien d'autre que le tenu pour vrai, ce serait pragmatique. Mais pour vous vrai, c'est justement autre chose. Il y a ce qui est vrai. Donc c'est deux niveaux. Il y a une question. Oui, en fait, en vous entendant parler, parce que je vous posais la même question, la croyance et le rapport entre la croyance et la connaissance, parce qu'en fait on parle il y a des fondements, il y a une construction du tenant pour vrai, ce que vous évoquez. Je me demandais en vous entendant parler si Jacques Bouvresse n'était pas un philosophe du, disons, je l'ai dit en mes mots, là, du négatif, des dévores, faire une espèce de contre-proposition pour permettre à la notion de vérité de d'émerger dans sa propre contradiction. Je me soumets ça à votre sagacité. Négatif au sens. C'est pas au sens de la gueule. Oui, au sens où chaque notion, chaque argument a besoin de s'en opposer pour permettre de se mettre en marche, en orbite, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il puisse. Bon, il y a des philosophes aussi qui ont évoqué ces oppositions, mais je me demandais, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends parler, si effectivement, Bouvresse
serait-ce ce philosophe de la qui permettrait cette négation d'entrer en jeu pour faire éclater, disons, faire la vérité, entre guillemets, sans prendre au point de vue juridique, j'entends, mais philosophie qui est politique, puisque la dimension politique est importante aujourd'hui plus que jamais. Et la pertinence de la pensée de Beauvais, et plus que jamais, à vous entendre, nécessaire. Voilà. Oui, mais je pense qu'enfin, et en tout cas, cette dimension critique hein, qui est importante et qui implique effectivement de donner un cap, de maintenir un cap qui permet de discriminer quand même entre des propositions, entre des discours et entre des prétentions à la vérité. On peut prendre, si on prend un exemple politique, c'est que par exemple, Donald Trump a créé un média qui s'appelle Truth, donc il prétend. Dans ce média, il va exposer la vérité. Alors, si on estime que tenir pour vrai et vrai, c'est la même chose, bon, il n'y a rien à objecter. Si on estime qu'il faut introduire une certaine distinction et travailler pour montrer qu'il y a des choses qui sont avancées là, qui sont fausses, qu'il y a eu des pressions, qu'il y a eu des choses, donc ça implique oui, cette distinction. Donc, je pense qu'effectivement, c'est peut-être ce que vous entendez aussi par ce côté négatif, oui, qui est effectivement de maintenir l'attention et de maintenir le point focal de la vérité comme une visée. Concernant la méthode, à la fin de votre ouvrage, vous essayez de dégager quelques principes de votre discussion au sens noble du terme, au sens philosophique de la conversation que vous avez avec l'œuvre de Beauvais. Et vous avez notamment un chapitre sur les craintes à surmonter, qui ont pas mal compté dans ces engagements, justement, dans ces coups de contre. La crainte de paraître naïf, donc une idée simple et bien connue n'est pas nécessairement fausse. Alors que Renaud qui ne parle pas plus qu'elle est nécessairement vraie. Et la recherche systématique du paradoxe brillant peut conduire à proférer des absurdités chiques. Ça a été aussi une des raisons d'être, sans doute, de ces combats qui rentrent dans le vif du sujet d'actualité, j'entends. La crainte de ne pas sembler assez radicale, hein, la crainte d'être renvoyé à ce que serait un mauvais camp, en citant, et la crainte, évidemment, d'être vu comme un gars, comme passéiste, etc. Bon, ce sont des petites méthodes toutes simples qui expliquent aussi ces interventions dans le champ culturel qui nous donnent de l'air aussi. C'est ce que j'appelle la tenue. Quoi. Oui, ça, je pense tout à fait, c'était à la fois des craintes qui inspiraient des principes. C'est-à-dire qu'il fallait, si un jeune philosophe qu'il était ou un intellectuel se donne pour boussole surtout ne pas passer pour ce n'est surtout pas ringard, par exemple. En fait, ce n'est pas la question. Pour Beauvais, il y a des choses, il faut voir si ça tient la route, si c'est solide, si c'est vrai. Et la question, ce n'est pas une question. Voilà, la mode n'est pas une catégorie très pertinente pour la vie intellectuelle. Et j'avais l'impression, effectivement, la question de la radicalité, les philosophes disent bon, la philosophie doit être radicale, etc. Et donc, dans les années 70, je pense que pour Beauvrais, ça avait poussé à des thèses complètement, il fallait être le plus radical possible, que s'il y avait eu un problème en URSS, c'est qu'on n'avait pas été encore assez marxiste comme il fallait être encore plus, donc il fallait être maoïste, il fallait être truc. Donc ça, une espèce de surenchère comme ça dans la radicalité, c'est quelque chose qui était aussi une mauvaise boussole, je pense, pour Beauvrais. Et je pense qu'on trouve effectivement dans son œuvre et dans la façon dont il a mener ces combats intellectuels, une sorte de principe un peu négatif sans doute, c'est-à-dire éviter effectivement, et effectivement ça rejoindrait ce que vous disiez, c'est-à-dire éviter certains travers assez typiques, alors peut-être plutôt là de son milieu, c'est contextuel aussi, hein, c'était un moment français d'une espèce de préférence peut-être normalien, hein, on en vient aussi, etc. Mais il y a un petit peu des tares qui consistent voilà, à se donner des mauvais principes en fait, pour opérer des choix intellectuels et politiques éventuellement. Il y a aussi une question politique, c'est que le choix
soit systématique de la radicalité n'est pas forcément le bon. L'idée que ce qui est de sens commun est forcément faux n'est pas forcément bon. Ni d'ailleurs que c'est forcément vrai non plus. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, je me semblais qu'on pouvait dégager comme ça quelques principes, un peu de tenue intellectuelle, oui. D'éthique intellectuelle. Par rapport à la pratique.